Bonjour, c'est toujours Karine Toussaint de l'ISF qui vous parle du statut de votre personnel. Aujourd'hui, nous abordons les prestations occasionnelles. Il arrive que vous deviez engager un entraîneur pour une prestation occasionnelle. Comment faire pour le rétribuer s'il n'est pas indépendant et ne peut donc vous fournir de facture? Dans ce cas, vous devrez établir une fiche fiscale 281.50. Elle permettra la déclaration de ce revenu. Votre comptable ou votre secrétariat social peut évidemment s'en charger. Attention cependant, ce système ne peut convenir pour des prestations régulières. En cas de doute, renseignez-vous bien auprès de votre administration fiscale pour éviter tout souci. Il est également possible de passer par la SBL Smart. Elle fonctionne un peu comme une société d'intérim. Elle facturera les prestations directement au club et établira une fiche de salaire pour le travailleur. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter le site de Smart. Ils organisent également des séances d'information dans toutes les provinces très régulièrement. Peut-être votre entraîneur envisage-t-il de s'installer en tant qu'indépendant, sans toutefois oser faire les démarches. Il hésite à se lancer. Vous pouvez donc alors lui conseiller de faire appel à une couveuse d'entreprise. Il l'aidera, il pourra garder ses droits durant la durée du contrat, et c'est la couveuse qui facturera les prestations au club. Des associations comme Jobin, Créajob, Classacé font ce genre de service. En Wallonie, il est également possible de bénéficier du plan Airbag du Forem, qui, comme son nom l'indique, amortit les risques de devenir indépendant. Il permet d'obtenir un montant de maximum 12 500 euros sur une période de 2 ans. Tout cela le temps de préparer son activité avec un accompagnement du Forem. Les conditions, être indépendant à titre complémentaire depuis au moins 3 ans, souhaiter s'installer pour la première ou la deuxième fois en tant qu'indépendant à titre principal. Il s'agit aussi d'être suivi par une structure d'accompagnement ou avoir suivi une formation spécifique à l'IFAPME. Pour plus d'informations, vous pouvez assister à notre webinaire où vous pourrez poser toutes vos questions ce soir dès 20 h 30. Vous pouvez déjà envoyer vos questions à Justine Maya. Merci pour votre attention. À ce soir.